Cette semaine, pour les vacances scolaires, je vous emmène à la manufacture de Morlaix où se trouve un espace des sciences. Pour ce faire, je me suis munie d'un petit carton d'invitation car tous les habitants de la baie de Morlaix ont reçu une invitation pour deux personnes. Je me suis aussi munie d'un enfant. Coucou ! Un, deux, trois. Cité les gens de Bretagne, bonjour ! La manufacture de Morlaix. Je vais vous raconter dans les grandes lignes ce que c'est. Pas de grand cours d'histoire aujourd'hui. On fait la visite ensemble, tranquillement. C'est les vacances. On décide de nous rendre au premier étage, pour commencer en empruntant l'escalier qui vaut déjà à lui seul le coup d'œil. Puis on découvre tout de suite l'une des attractions de la manufacture, qui fut l'une des attractions favorites de Louis-Napoléon Bonaparte au XIXe siècle, le pendule de Foucault. Le pendule de Foucault, créé par le physicien astronome Léon Foucault en 1851, prouve que la Terre tourne. C'est hypnotisant. Nous, on est resté pas mal de temps à admirer le pendule, avec le suspense de le voir percuter le petit domino blanc. Dans cette même grande salle, on plonge ensuite dans l'histoire de la manufacture. Début du XVIIIe siècle. Le roi de France et de Navarre, Louis XV, veut relancer l'économie nationale et planche avec son gouvernement sur l'idée du tabac. Ça s'exporte très bien et c'est fortement taxé le tabac. Morlaix est choisi pour y édifier une manufacture dédiée à sa fabrication. Les travaux commencent en 1736 sur les plans de Jean-François Blondel. Les travaux ont cours jusqu'en 1740 et la production de tabac bat son plein et rythme d'ailleurs la vie des Morlaisiens jusqu'à sa fermeture il n'y a pas très longtemps, en 2004. En plus de deux siècles et demi, la manufacture n'a eu de cesse de se développer en savoir-faire et en équipement. Tout est très ludiquement raconté, des objets peuvent être touchés, des films sont projetés. De l'autre côté, au premier étage toujours, on a accès à la salle des moulins. L'ambiance y est très particulière, c'est un véritable voyage dans le temps. Les moulins installés en 1871 permettaient de mettre fin au râpage manuel du tabac. La machine entière se déploie sur trois niveaux, c'est très impressionnant. Allez, direction le deuxième étage, le jardin des planètes. On y découvre certaines constellations et comment les reconnaître. Et puis au-dessus de nos têtes, le système solaire. En face, les roches armoricaines. Ah, oh, c'est la vue. En fait, la pierre, elle est toute petite. J'ai l'impression que tu peux aller jusqu'à tout là-bas, 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 mm-hmm. là-bas. Wesh. Allez, on redescend au rez-de-chaussée pour rentrer dans l'atelier. Qu'est-ce que c'est l'atelier ? C'est un espace pour toucher, actionner, manipuler, tourner, faire, observer tout ce qui touche au domaine mécanique de la science. C'est super chouette et encore une fois très ludique. Ça permet de comprendre tout en jouant.
merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas le commentaire, le like, le partage, l'abonnement. Ça permet ma visibilité sur YouTube et Facebook. Et puis moi, ça m'encourage, ça me fait plaisir. Je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures bretonnes. Et en attendant, je vous dis... Qu'en avoir, Michel !